Nouveau moment d'enchantement samedi dernier à la médiathèque La Pléiade de Romba. Valérie Grandidier, qu'on appelle aussi Lune, est venue avec ses instruments, ses doudous, mais surtout avec ses histoires pour présenter au clair de lune une séance entre contes et musique pour les toutes petites oreilles. Prenez garde à votre toit où la baleine mangera. Et ça parle de la nuit, de tout ce qui peut se passer la nuit, les rêves, les cauchemars, les peurs aussi, et les enchantements bien évidemment, puisque je suis conteuse et enchanteuse. En fait, c'est un mélange, entre un tissage entre mon imaginaire et les histoires et les contines. Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes. Dans un plafond, un limaçon enfilait sa culotte. Au clair de lune nous emmène au cœur de la nuit. Une nuit avec ses étoiles qui rigolent. Une nuit avec ses araignées qui disparaissent. Une nuit qui fait voyager l'enfant au pays des rêves et des cauchemars. C'est pour les tout petits, donc normalement s'ils ressentent quelques frissons, c'est bien, mais l'idée c'est vraiment pas de leur faire peur, mais plutôt de leur apprendre à appréhender la nuit, justement. Petite étoile jolie qui vit la nuit, petite étoile jolie qui vit dans la nuit. Au clair de lune, c'est donc ce spectacle qui permet de s'évader à travers des histoires, des musiques et des chansons. Un spectacle intimiste qui, au-delà des mots et des messages, apprend à l'enfant à entendre, à écouter et à voir. Une initiation à l'éveil culturel que s'efforce d'instaurer à travers ses nombreuses animations toute l'équipe de la médiathèque La Pléiade. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Je vous les rends.